Où est Kuching? Elle est en grève là. C'est quand je suis sur mon jeu que je vais la drop. Ah mais les gars, c'est abusé le taux de drop que j'ai sur ce truc. Hein. C'est abusé les frères. Hein. Oh! J'ai eu Kuching, wesh! Et encore! C'est mon frère! Ah vas-y, attendez. Oh là, tu parles de quoi, wesh? Quel gras du bide, frère? Je suis normal, wesh, non. T'abuses. Vas-y, il m'en reste 3. Voilà. Ah, c'est bon. On en a fait 50. Ah, voilà. Pire sub goal, pourquoi j'ai eu cette idée? Oh, la catastrophe. Salut Jalal, j'ai regardé la rediff et ça, t'as une dégaine avec la perruque, elle est collector. Ah, je suis le plus beau CIO de France. Moi j'en suis persuadé. Un en maison, une compote fait maison. Mais pourquoi? Bah parce que pour vous prouver que même sans argent on arrive à bien manger. C'est vous qui les avez fait? Exactement. Vous avez fait les cornichons? Et voilà. Oh c'est super! Et c'est de la confiture à quoi? Donc ça prouve bien que je ne suis pas malheureuse du tout, je me nourris très bien. C'est de la confiture à quoi? Après moi j'ai envie de dire, si t'as besoin de te justifier, c'est qu'il y a un problème. J'ai envie de dire, si t'as besoin de te justifier à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Logique. Alors attendez. La calvitie de Waz. Merci pour le follow, mon pote. Je sais pas c'est qui Waz, mais t'es un hagan. Merci pour le follow. T'imagines? T'appelles ton compte la calvitie de Fitzadri. Le manque de respect. Il va redescendre, je vais le défoncer. Ah ouais. Il a bien galéré ce bâtard. Je vais lui montrer qui je suis, moi. Bah, allez hop. Attends, j'ai fait du 160 000? Oui. J'ai fait quoi là? Comment il est... Hein? Comment il est mort? Chen, t'es quoi, TP2? Ou TPD? Tous les jours, il va sur son site de favori, D-Labs. Mohamed n'est pas riche. Il économise entre 200 et 300 euros par achat. Alors ouais, moi je vais sur D-Labs, comme vous voyez là, il y a des petits écrans, et il y a de l'informatique, des petits trucs, c'est assez sympa. Informatique, c'est ce que Mohamed utilise pour qualifier ses achats compulsifs. Quand on lui demande combien il use sur ce site par mois, il n'est pas assez explicite. Combien j'use? Bah ça dépend, quand j'ai besoin, je l'use 200-300 euros. 300 euros, la somme que Mohamed use tous les mois. C'est trop ça. C'est trop ça le reportage. À chaque fois c'est ça, j'ai juré c'est ça. Logique. Dégage, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi elle est en haut? Mais non. Pourquoi elle est en haut? Mais non, mais... Mais dégage. Mais vas-y, mais... Mais non, mais c'est du troll. Mais la vidwam, c'est du troll. Mais j'ai juré, c'est du troll. Mais c'est du troll. La sorcière, elle était en haut du... Mais ça arrive à qui, ça? Ah, par contre, pourquoi il est invincible, lui, là? Parce que je suis en multi, c'est ça? Wesh, c'est un genou. Wesh, il a fait le déplacement instantané, là. Ouais. Prize, motherfucker. Ouais, ouais, c'était un guet-apens cette histoire. Ah, vous avez vu? Je me suis retourné, m'a sauté dessus. Ah, c'était un guet-apens, ça, je reconnais. Ils m'ont mis le petit renard là, tout mignon là, pour que je vienne. Je me suis retourné, il y avait un grand barbu là, avec un foulard. Oh, la catastrophe! Je pense qu'au bout d'un moment, ça, tout ça, l'armor casse-couille, mon hage, dès que pas, ça trigger, c'est totalement 50%. Pourquoi les gens livrent pas? Mais qu'est-ce que tu racontes, frère, Pouik? En fait, je vais dire un truc très simple, parce que Sofiane, il rigolait. Mais frérot, je suis chez moi. Il y a de la vie chez moi, je vais pas casser les couilles à tout le monde, je vais dire enlever l'armoire, gros. Eh gros, je suis pas être chez Best ici, gros, moi. Je fais des vidéos tranquilles. Ça, ils me laissent tranquille dans la pièce, il y a personne qui rentre pendant que je fais mes lives, ils sont très gentils, gros. C'est pas ma maison, gros, je vis pas ici tout seul. Donc l'armoire, elle va rester là, gros. Les gens, ils aiment pas, bah ils aiment pas. Je m'en bats les couilles. Malade, lui. Merci pour le follow, La Shoah. Oh, putain. Oh la catastrophe! Truc, Aiki, toi tu fais peur aux gens, toi. Hein. Toi t'es genre de mec, tu fais peur aux gens. Faut pas te demander des conseils. Toi t'es genre de mec sur Doctissimo. Le mec il dit j'ai mal au doigt de pied. Et le mec il dit bah t'as un cancer du doigt de pied. Et lui dit t'as mal à la tête. Je pense que ton cerveau va s'arrêter. Je pense que tu as une tumeur au cerveau. Mais c'est la pire des crasses que j'ai jamais vu de ma vie. Mais ça veut même pas à l'eau. Elle a mis du tissu. Elle se torche le cul avec du tissu.
Et le mec qui passe derrière, il utilise le même tissu, il y a de la merde dessus. Non, non, je peux. Non, non, frère, faut quitter la salle là. Moi, je suis sur le plateau, je quitte la salle, hein. C'est incroyable, frère. Il y a des ménos grandées chez elle, gros. C'est un délire. La tête de Wang, gros, c'est à sa maison, je sais pas, gros. Gros, je disais que c'était l'eau qui puait, mais si l'eau t'a pu, elle, je sais pas ce qu'il y a sans, frère. Hein. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Allez voir le médecin tout à l'heure à 14h. Vous savez, il m'a dit quoi? Il m'a dit que j'étais fou. Il m'a dit que j'étais fou. J'ai dit, oh, j'ai mal ici, là. J'ai mal là. J'ai dit, j'ai mal là. Depuis un moment, là, genre, je lui ai dit, à un moment, j'ai fait un effort physique et j'ai eu peur et du coup, ça m'a serré le cœur, tu vois. Et il m'a dit, attendez, venez, genre, il a pris le... Je crois que c'est le stéthoscope, non, pour écouter le cœur. Mais du coup, il l'a pris. Et il m'a dit, respirez. Et il l'a passé partout. Il m'a dit, bah, vous avez rien du tout. Il m'a dit, vous êtes stressé? J'ai dit, bah, un peu. Il m'a dit, ouais, bah, comme la dernière fois, quoi. J'ai payé 20 euros pour qu'il me dise que je suis fou. Il t'a dit, vous êtes amoureux, monsieur. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. Avec espoir.